na kongo to telema telema to lobela mboka ye wole to suwa kabimisa na poasa ba depite to votaki bazo sala rien bazo sala rien to kele na funa bazo sala rien bazo sala rien kongo to lega na mwamba bazo sala rien bazo sala rien to kele lukunga bazo sala rien bazo sala rien na mwoko kuna dibembe bazo sala rien bazo sala rien a to to mwana changu bazo sala rien a la kola na bazo sala rien bazo sala rien e kola ni wape bazo sala rien bazo sala rien. Bonjour et bienvenue à vous, très chers et aimables téléspectateurs. Merci pour la confiance et la fidélité. Au Bozala Kanango, na Wemsa Télévision. Merci surtout. Nabino Baye Bolingaka, émission Bakinwa Balobi, Lelo Mwanamboka Ezekiel, Moudikongo Talou, Lao Nazali. Na zo présenté émission Oyo, na Pesi Matondi, na Mwanamboka Paul Tosua, Nokopo Lolom de Beta Biloko, pour na confiance renouvelée. Na Lobaka Kiti Oyo Miko Ezarayaye, Soka Sepela Rupé Sangai. Yango zara monté mara ya malam pour ba mingi pi bazala nango lokula yemi ba pesekela bande ko mususu te mais yé au moins bonne volonté on a pe esprit ya ko bimisa ba tu mususu zara kati na yende apesa biso yango bongo to pesi ye merci na ba ike nyonso na pesi bino merci nkolo ya mbota manange za lelo no ba tu bozo mituna mutuna nzamba sali ngolu kena bota malelo nde mkolo mbota manangai mais pièce qui n'a remis le bel joyeux anniversaire nanga moko ba cadeau na bino ndi nango na ozela muninga malamba ba ba kena tango esengo pe na tango apasi tango muninga za na esengo oyeba wala muninga na ngai ce qui passe na maweba wa muninga na ngai profiteur ba ba ke peka na ba moma wana voilà lelo na kozala na ba invité ebele mais ali boso to ko banda na mona mboka Merlin Vouvou na ye na ye boye bien c'est un habitué c'est pas quelqu'un présenté. Donc, le bel alikambo tali, quoi attendre du nouveau gouvernement de la RDC? Bah, réalité, tout le monde actuellement, le gouvernement passé est présenté, mais ce que vous avez présenté, bah, tout le bel détournement, bah, tout le bel boye, bah, tout le bel boye. Alors, gouvernement, yasika, oh, déjà, tu es bien, moutou, n'angouéza, madame Judith Touluka, bah, ministre, n'a autant, bah, kouya, n'y a sengé, lui, so, bah, kongomani, tose, la, bah, oya, kala, bah, salaki, nini, ou bah, oya, sika. Voilà, moi Namboka Merlin Vouvou, bonjour. Bonjour Ndeko Ezekiel, Mboti na bako moma nyonso, Mboti na bato nyonso bazwi li bako ya Rolanda Biso, na ngonga ye. Merlin, moi mikolebele, na le pananga, peut-être na yambio moi mikolebele, silence, tout consort, mais sinon, situation en Mboka selon Merlin Vouvou actuellement. La situation est catastrophique, en tel, de telle enseigne que même ceux qui sont aux commandes du pays, bah on comprend que la situation est grave. Bah on sait qu'à battre la rabatière, na bango, caméra imbosso, bah titi chéke, hermoga limoué, hermoga zoni, le gouvernement zaké, ils sont dans d'abord bango mo bah la rate désordre. Bango mo tant que bango mo. Mais il va tout bah on dirige parce que quand on parle de l'union sacrée, au tout moment l'union sacrée wana ils n'ont même pas na F non. Moi, j'encourage mon ami Japi Ngaboula. Il faut faire une plainte contre Kabuya. Oh, Kabuya saigne. Non, il doit nous dire depuis quand Palais du Peuple Goma siège à un regroupement politique ou à un parti politique. Tantôt, bah, on a la sortie officielle dans le stade de Marty. C'est l'Assemblée nationale qui loue le stade, au moment document. Dans le stade, l'Assemblée nationale, à Bimsimbongo, a loué les regroupements politiques. On a un document à l'état moroté. Stade, au moins, il y a tout ça la première en avant. On a 4 il y a Palais du Peuple. Donc, tu comprends directement avec quel type d'homme, toi, on a un problème. Toi, on a un problème, n'a pas tout, il va bien à la maladie moropathologie, il va bien à mon schizophrénie. Donc, on a un problème de schizophrène. Les malades morts à la pathologie, moi, ça la remonte à la confusion à la réalité. Donc, tu vois, on a un tâté à Nicolo, on a un réunion union sacrée, mais union sacrée, on a ata F non andé. Donc, on a un personnel juridique, on a un crématé. Bon, on va évoluer. Conséquence, au moins, même un candidat. Député, le gouverneur, na bango, ou bien un autre, c'est qu'il y a un bango,
ba komi kuna na liste définitive ba candidat indépendant ba candidat na bango ya union sacrée ba edi el dabumba bota la liste publiée par la CENI élections à lundi ba komi bumba luba ki bumba Daniel indépendant mais on a UDPS non ba beza tika union sacrée OK mais on a tika union sacrée pas comme on a union sacrée ni tout boni candidat Dieu minongala a commis démocratie chrétienne. Zomon. Ok. Donc ça veut dire union sacrée même F nonandi. Je me pose la question. Bato va diriger Bato Bato dans l'incapacité de se conformer bah mon bah texte légal. Allez, ce qu'on a bata bongo bato zilani. Ils sont aux commandes de la République mais incapables. Là où c'est conformé dans l'État. Alors, Batabongo va diriger Bino, vous vous attendez à un résultat. Voilà, merci Merlin Vouvou. Ça, c'était son biscuit à lui. Quoi attendre du nouveau gouvernement de la RDC? Ingénieur Tsono, tu as vu cette thématique, on est ça là bien. Voilà. Quoi attendre du nouveau gouvernement de la RDC? Merlin Vouvou. Premier gouvernement RDC, soit premier mandat à président Félix, on a vu ce qu'on pouvait voir. Cette fois-ci, on a une dame à la tête, il y a gouvernement et à RDC. Déjà, avoir une dame, on peut espérer à des bonnes choses dans le deuxième mandat à président de la République. Non. Déjà, il faut le baquer. Tant ou déjà, mandat libre ceci, le président a parlé des acquis à préserver. Ok. Mais ce retourné, il y a acquis à Mouzawak. Or, en gestion politique, le premier mandat, dès le second mandat, est la conséquence il y a gestion et premier mandat. Les deux autres comprennent bien. Oui. Alors, lorsqu'on dit Tozelanin, c'est quoi d'abord la vision de l'Union sacrée? Ceux qui ont la personnalité juridique, c'est quoi leur vision? C'est quoi la vision de l'Union sacrée? Parce que pour avoir les résultats dans la gestion politique, dans le public, il y a une planification. Et cette planification est résultant. Et ça, résultat, il y a vision. Quelle est d'abord la vision? Nous avons la même personne à la tête de la République sans vision, sans idée. Tu vois qu'il s'est transformé maintenant dans Moutababé, un influenceur. Donc, c'est qu'il y a comme une influenceur. Hermora Limoué. Il craint maintenant les infos, actualité sur lui-même, au lieu de servir le pays. Donc partout le président est Sengela Zala, il faut qu'on m'aille l'union soit avec le président de la place. Mais oui. Comment quelqu'un qui va se déplacer avec ton argent, mais il va éviter d'accueillir. Bonsoir, Kosso, ok, à Guinée Brazza, il va coûter 100 000 dollars, par exemple. Ma Kosso, à Guinée Brésil, a vu 4 millions. Comment vous allez contrôler? On doit savoir où il est, parce que quand il se promène, ce n'est pas lui qui se promène, c'est toute une institution. On peut dire en quelque sorte, le pays est au Tamboula. Voilà. Surtout qu'il est le garant de la nation. Il est le père, il symbolise la nation. Donc la nation commence à sillonner. Le président de la République. Il y a un problème, donc, moi j'attends rien. S'il faut attendre, ça c'est à Tshisekedi de voir qui remettre à la place. Vous avez un ministre comme Jean-Lucien Boussa. J'ai attendu quelqu'un dire, je n'ai jamais vu Jean-Lucien Boussa, je ne le connais pas. Mais j'ai attendu quelqu'un dire que Jean-Lucien Boussa a Oumeli, a Roson a sous le gouvernement. Je me pose la question. Parfois nous-mêmes qui combattons pour le changement, oui. Nous commettons sur des erreurs aux côtés républicains. Le problème bon, dans le bâtiment de Saint-Boussa sont ratés à RR au côté République. RR, c'est à quel niveau? Nabi, on a déjà le Saint-Boussa. Il a expliqué. Ok. Est-ce que le gouvernement a besoin de moutou à Oumeli Mingi? Ton moutou a un macanis européen, ça comme vous. Bon, alors mon moutou a un macanis, mais changement de classe politique peut-être. Comment va changer la classe politique? Est-ce que le changement de classe politique les a liés à la jeunesse, à l'âge? Ceux qui nous dirigent sont jeunes, non? Ça, malheureusement, on est vieux. Patrick Mouyaya,
Ceux qui commettent des bêtises, des bavures dans la République sont des jeunes. Ils sont à la commande des institutions ici. Renouveler la classe politique, c'est être capable de remplacer les antivaleurs par les valeurs. La traîtrise par la loyauté, fidélité à la nation, je ne dis pas aux individus. Ok. Remplacer la mauvaise intelligence, l'intelligence il y a solo pour nous refaire avancer. C'est ça le renouvellement. Le renouvellement n'est pas lié à l'âge. Si Jean Lissembou fait bien son travail, moi j'aime pas ce débat là. Il ne va pas être là pour vous. Peut-être que on a Bazala qui déjà n'ont pas permis à la République de subir un développement. Pour faire partir quelqu'un, la poste, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait Zalaté, pour commencer la politique, il y a habillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Viens, tu dis telle personne ne va pas être là, ne mérite pas parce que regarde ce qu'il a fait dans son ministère. Regarde. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, allez-y. Là, tout le monde comprend que Mouto, au Pénat, a la région Mouto Azal. Donc, venez dire simplement Jean-Lycée Boussa Ozalati. Ezekiel Ozalati. C'est une aberration. On a besoin de remplacer Bateau par Échoué. On n'a pas besoin de remplacer Bateau pour Baoumeli. Je donne toujours un exemple. Le ministre du Commerce extérieur, Yafuiti. Ok. Il a 15 ans de fonction. 15 ans. 15 ans. Le problème, mais ça pour la Fouti, c'est qu'au problème. La Fouti, le pays, la deuxième puissance économique en Afrique, après Nigeria. Ok. Est-ce que le problème, mais ça pour Moutouana Oumeli, tout ça qui travaille dans le secteur économique, et le Fouti a commis deuxième puissance économique. C'est bon. Mais tant que vous avez la zone à te. Mais vous laissez Moudoloro la Nicolas Kazadi. Le ministre de la Finance. Oui, le monsieur doit être arrêté. Il faut que la Sigo soit la chef de la cuisine, il y a prison Makala. Oh, mais le chef de la cuisine, il y a prison Makala. Pour quelle raison? C'est quoi la raison? Il y a comme ça, Nicolas Kazadi. Il y a un ministre de la Nicolas Kazadi, des ministres de la cuisine. Il y a un chef gouverneur de la cuisine. Pour la Nini Kazadi. C'est la même chose. À Kabo la Labna va prisonner chaque jour, un bassin, un bino, à Tchelibino, vous moulez. C'est ce que Nicolas Kazadi mérite. Je cherche quelqu'un qui doit me donner la différence entre Corneille Nanga, Bertrand Bissimwa, Bosco Tanganda, Kunda Batouare, d'ailleurs Hitler, dans Nicolas Kazadi. Ah, mais Nicolas Kazadi n'est pas un rebelle, Merlin Vovo. Dans un désordre, il y a des types de rebelles. Dans un état. Non gouverné, il y a deux types de rébellion. Il y a la rébellion type Tomonia Bananga, il y a aussi une rébellion financière. Détruit le pays, détruit les tissus financiers, il y a République. C'est une rébellion. C'est pourquoi le monde entier est érigé comme crime contre l'humanité, crime économique. Nevonangai. Nicolas Kazadi a vraiment foutu à battre dans le monde, on a eu un angaï, badette intérieure, n'a pas de décaissement de gré à gré familial et amical. Donc, si vous avez Nicolas Kazadi, tu as l'argent. Si vous avez un camarade, vous avez un mot. Problème de ces amis. Vous avez un lobby. Ok. Contrairement à ce que vous avez fait, vous avez un lampadaire. Et ça, il est malam. Nicolas Kazadi a dit qu'il y a un bateau. Ok. Il a dit qu'il y a un bateau que. Ok, et ça, il projet pour tiquer. Le projet n'est pas mauvais. Bah, lui, il y a un forêt, il y a un régime des commandés. Ok. Puis, il y a des décaissements à procédure d'urgence et facturation. Nicolas Kazadi a dit que ça a décaissement. Nous coûtons, tu as gagné. Oh. Tokan, alors bien on a pris fini là, il y a mes crédits. Bien au Kangié. Tokangié c'est là. Nicolas Kazadi et banda c'est là à la goutte. Tokangié sous le couta. Donc le procureur à ce moment-ci doit mettre l'action publique en mouvement pour arrêter Nicolas Kazadi. Ce qui procureur a dit mandat d'amener contre Nicolas Kazadi, c'est que le procureur commence à se faire complice. Tenez, Nicolas Kazadi a bien mis ça à 71 millions.
bah document tu ne l'as rien bah bah tiens on va te nani ingénieur sonno pardon Merlin a la ligne à l'ouki là bah problème t'es bah document moi ça là c'est bon ok toba nana oui oeza ligne observatoire de dépend de la dépense plutôt bien à ODEP. Ok, il y aura communiqué na bango numéro 04 bar ODEP bar avril 2024 contrat installation de 1000 stations d'eau à travers plusieurs localités du pays. Donc autre bien à forage il y aura mamba commune. Le contrat vérité du ministre de Finances, Kazad. On a Obenga Migolo, vice-président de la République en charge des finances. Ah, au commissaire vice-président. Kazata le tout puissant, même si Batouya Vanana Tshisekedi. Yakolana Tshisekedi. L'Observatoire de la dépense publique a suivi avec intérêt la sortie médiatique au mercredi. Ok. Du ministre de Finances de Félix Tshisekedi. Il persiste à cacher la vérité. Sur le projet de forage, voici la réalité des faits. Il y a quoi ça, c'est 71 millions. Oui, le contrat de construction de forage a été signé 2 semaines avant la fin de la coalition FCC et Cash par le ministre des Finances du professeur Ilunga Ilunkamba. Donc, c'est là à la boule. Deux. Sa mise en œuvre va se faire sous le ministre Kazadi. Ce dernier va négocier avec son frère Kasenga, Mike Kasenga, pour que ses intérêts soient protégés au sein du projet par son homme de main du nom de Samba Batcheli. Samba Batcheli est un Malien. Tant aux hommes, on a expliqué l'histoire bien. On comprend le cas Sengana Samba. Et une fois le deal conclu, le paiement en mode d'urgence commença. Le calendrier de paiement. Il y aura un calendrier. Ok. Juin 2021, 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, juin 2021. Janvier 2022, 20 millions de dollars. Début 2023, 20 millions de dollars. Janvier 2024, 20 millions de dollars. Mais le ministre a parlé de 21 millions. Est-ce que 20 fois 4 égale 71? Bon, tout le ministre de la Finance, Nicolas Kazadi. Donc 2 fois 4, selon lui, égale 7.1. Mais enlève-vous. En réalité, le total de décaissement est de 80 millions de dollars et non de, 20, de 71 millions de dollars. Tokani ministre. Oh, nous sommes là-bas, preuve, nous avons été comme on a parqué. Donc, nous avons été comme on a parqué. Nous avons été comme on a procuré. Nous avons été les lettres. Transmission des éléments, des indices de preuve. Le fonds perçu par Samba Batcheli sur son compte, 20 millions de dollars américains. Nous avons même le ministre Nicolas Kazadi a reçu 20 millions. Dans ma rambole. Oh, Ali Bosso. Yami Balé. A l'objet que Esaïe était un ministre à la Dagui. Ok. On a parlé du contrat signé 2 semaines avant que le gouvernement FCC cache sa nini et Koufa. Oh, si vous avez mis les lettres, il y a ministre scellé à la boule. Deuxième lettre, papa Nangaï. 6 jours avant que Nicolas Kazadi a remplacé. Très bien, deuxième lettre. Yora Mambakomi, République démocratique du Congo. Ministère de Finances, le ministre. Kinshasa, le 22 avril 2021. Transmis copie pour information à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Palais de la Nation. À son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, haute du gouvernement, monsieur le vice-ministre des Finances à Kinshasa Gombe. Lettre adressée à monsieur le ministre du Développement Rural. Kinshasa Gombe concerne demande un engagement financier. Parce qu'à l'époque, avant le gouvernement, il FCC caché le mois, le ministre du Développement Rural Azalaki, à 5 ans, il y a un ministre de Finance à Bandaro financer projet OU. Ok. Il y aura réponse à Célé à la Goule. Célé à la Goule à Boyaki. Allo Biboui. J'ai l'avantage d'acquiser réception de votre lettre mieux identifiée en concerne. Et vous en remercie. Il faisant suite. Et suivant les instructions de la haute hiérarchie. La haute hiérarchie, premier ministre, c'est le président de la République et le premier ministre. Ok. Donc Nicolas Kazadi a marché sous la décision du président de la République et du premier ministre.
Je marque mon accord pour la conclusion d'un engagement financier avec la consortium à tant que la société de la marché pour la réalisation de la première phase du projet d'installation de 1000 unités intégrées de forage. Toutefois, les termes finaux du montage financier devront être préalablement soumis à mon ministère. Nicolas Kazadi a menti toute la République dans le briefing. Monsieur le procureur, si Nicolas Kazadi n'est pas invité dans votre office, donc nous allons considérer que à 20% vous êtes complice. Vous devez l'interpeller. Lundi, je serai dans votre cabinet pour vous transmettre ces éléments de preuve. Très bien, Merlin, vous. Ça, c'est Merlin qui parle. N'expliquez pas qu'on est historique pendant 2 minutes. Allez-y vite, Merlin, 2 minutes. Donc, toi, on a 2 minutes. Pendant le gouvernement, il y a un Kamba. Décision même le conseil des ministres, va tourner à ma forage. Ok. Dans ma village. Déjà, quand Nicolas Kazadi a dit qu'il y a un projet de vérité. Donc, il y a un village. Il y a un village. Si il y a un régime des oies combattu. Ok. Pour qu'il y ait un régime des oies, apparemment. Azali. Apparemment, c'est ça. Ah, c'est bon. Si quoi, Nicolas Kazadi a tourné à Lubumbashi, à Kisangani, à Kinshasa. Tu as un village. Et puis, un marché, il y a le ministère du développement rural. Tu as la ville est rurale. A qui a eu qu'on soit contraint tant qu'on a commis. A l'homme, a qui a fait ça, on est bon. Excuse Mike Kassenga. Mike Kassenga, on a déjà pas quand il n'y a pas Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oh, Mouzé, quand il y a pas de a gagné un marché au Tongabanzela, à Tonganzela, Taï Bambongo. Mouzé, quand il y a tué en prison, Mike Kassenga, c'est un repris de justice, un évadé de prison. Dans la zone, nous connaissons Nicolas Kazadi, ministre de la Finance, il y a un montage. Il y a un montage qui l'État, a condamné l'État, a dédommagé l'État. Il y a un climat prison, mais l'État a dédommagé sous 27 millions de dollars. Wow. Quand il y a un lien sous Mouzé Faratonganzela, a un prison au climat, maintenant il y a un lien à l'Okuta. Et l'État, à travers le ministère des Finances, sans vérification, a foutu 27 millions de dollars en procédure d'urgence. Quand Mike Kassenga, il n'y a pas de marché de forage. Mike Kassenga, il n'y a pas de forage. La loi sur le passage au marché public et lobby, entreprise qui a gagné marché dans le secteur, il y a 5 ans d'expérience à Moussa. Il y a un Nicolas Kazadi, il n'y a pas de forage. Mazui marché. Nicolas Kazadazui a pécié 80 millions. Il y a un autre Totangawa. Oye Nicolas Kosimbo Kambake 71. Il y a un autre 9 millions. Alors 9 millions. Moi, il y a un autre changé. Alors il y a 9 millions. Token. Mais il y a 80 millions. Il y a 9 à réduire moins. Azui 80 millions a pécié. Moutouana est Azui Mbongo à Tongarane pour forager. Il y a un Lugana qui est bien tourné. Ageluka Amadou Djabi. Amadou Djabi a commis président Vita. Oyo boni a beta ba wenge. Amadou Djabi va comprendre que ça coupe à frappe. Bake ko luka samba bachelo moun bache na rapport ordre. Donc bazo luka luka. Voilà selon nous yo expliquer bazo bazo luka luka. Luka. Ndenge salama. Ah OK. Tozo bazui la royo zéro forage. Moi je pensais hier avant hier lorsque le ministre Ayaki première et l'autre, il y a une cartographie pour tout le monde. Après, il y a un forage. Le ministre, il y a une veste et une cravate. Le débat ici, c'est que le projet Zaki m'a bien. Le projet Zaki est bien. Bâtir la bande de Rolandi, son maille. Le problème, le débat, c'est la surfacturation et le décaissement en mode d'urgence sans suivre la procédure. Et aujourd'hui, la vérité est là. Le ministre a reçu les pots de vin de 20 millions de dollars. Le ministre doit nous montrer la cartographie. Quand le ministre a foutu sous le mouton, quand le Mike Kassenga, le ministre a foutu 13 millions de dollars. Il y a un mouton au Congo, il y a un Mike Kassenga. Nicolas Kazadi a pêché 27 millions. Nicolas Kazadi a pêché 80 millions. A pêché sous 13 millions. Oh, bah, tu as la place, le ministre a tombé. Le ministre a lobby,
Lampadaire, non, c'est 1200 dollars. Ok. Mais après, quand même. Alobi. C'est-à-dire, forage, lampadaire. Lampadaire, c'est-à-dire, il marche, mais il n'y a pas mon toit là. 13 millions de dollars. Non, lampadaire, non, forage. Je pense que Mike Asseng. Mike Asseng, il y a Jackie Chan à Bango. Il y a Bango. Ah, t'es Jackie Chan. Jackie Chan à Bango. Si on a besoin de mon toit, ça n'a pas beaucoup de choses. Et monsieur Katan. Nicolas Kazadina briefing na emoko. Je peux vous transférer la vidéo place à Zolobango. Allo Biboy, tant que vous avez des mongo, il y a qu'à vérifier ma prix. Et puis il y a mon père qui a fait ça, il y a lampadaire qui a fait ça. Lampadaire, il y a cher, il y a 1200 dollars. Meilleur ministre, aux pressions légales, il a fait 5000 dollars par lampadaire. J'ai la vidéo. C'est pourquoi je demande au procureur de l'interpeller. Mais est-ce que vous avez un média? Vous avez un peu briefing. Il a dit. Alors, il y a un peu ici, c'est 20 200 dollars. Mais tu as pression, après, c'est 5 000 par lampadaire. C'est l'Argentin national qui dit ça. Et toi, tu as dit, il y a un journaliste à Tunia, il y a un ministre de finance, on attend, on vérifie à qui. Donc, il y a un ministre de finance. Si on a un document, ministre de finance, on vérifie à qui. Nicolas Kazadi doit être jugé comme. On doit être jugé pour haute trahison. Merci Merlin Bobo. Attends, pour pas que mon attaque dans un acharnement, Nicolas Kazadi doit être jugé conformément à l'article 57 et 56 de la Constitution. Haute trahison de la République. L'article 56 dit ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation. Le personne physique ou morale de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales, sous les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi. Article 56. Les actes visés à l'article précédent, donc 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Ce n'est pas moi, c'est la loi. Nicolas Kazadi, il est passé aux aveux devant tout le monde, devant la République. Le procureur ne peut pas attendre que Bakayoko saisisse rien. Le rôle du parquet, c'est aussi chercher les infractions. Voici un réfractaire qui s'est livré lui-même sur la place publique. On doit l'arrêter. Alors, Merlin Boubou, il y a des gens parfois dans le réseau, tout concerne, dans d'autres établissements, oh non, qui encourage, qui voit selon eux, que l'excellence Nicolas Kazadi. Il n'est pas excellence. L'excellence est liée à un travail excellent. Ce qu'il a fait, donc, Yoroben a fait pour une excellence. Parce que ça n'est pas. Mais moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, excellence suis là, je suis. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez justifié à vous l'accès à ce but. Ah bon, c'est la justification. C'est bon, Merlin, c'est moi qui pose des questions. C'est bon. Alors, Merlin, vous voyez ce qui s'est passé dans. Bon, vous voyez ce qui se passe actuellement dans le Congo. Dans tout le monde, vous avez posé le gouvernement. Mais là, vous ne pensez pas vraiment. Quand le gouvernement ministre vient de se passer, vous ne pensez pas que la RDC, le premier mandat à Félix Tshisekedi après coalition FCC, cache qu'on a quand même eu quelques ministres qui ont aidé la nation à évoluer. Tel que Moutaza propre scellé à la boule. Vous avez vu, on lui a demandé de décaisser l'argent de l'État, il a refusé. Ok? Ok. Et Mouya, il prend les soins, il a organisé briefing pour la. Briefing, on a eu quand on tire le banan mercredi. On a eu quand on a sur la 200 000 dollars. Sur la 200 000? Ouais. Et pas nain. Nicolas, quand il a sorti l'argent, ben, c'est la briefing. Malheureusement, ils n'ont pas réussi leur coup. Donc, je comprends que. Patrick Mouya, il y a certains garçons dotés qui courent derrière toutes les jeunes filles richement dotées. Tant ma jeune fille, je suis en politique. Richement dotée à la recherche du bien-être. Parce que sous Kabila, il courait derrière Zoé Kabila. Aujourd'hui, comme Ayori et Nicolas Kazadeza Mouninga Félix Bandakala, il commence à chercher au gouvernement Mobimba à parler à Moko Soto Yamoutou.
Quel était l'objectif réel y a briefing Boye sa Nicolas Kazadi. Ote projet c'est là qui coûte sangai. Problème c'est un projet, le projet n'est pas mauvais. Nous notre problème c'est réside ici. Nanya ibi yoyo ya bana. Très bien. Nous le problème n'est pas le projet, c'est le yoyo. Mais merci Merlin Boubou. Alors état congolais, état congolais, état patriote Merlin. Quand là déjà. Tout le monde a la réalité. Tout le monde a la couleur politique. Tout le monde a la casquette. Est-ce que Mboko a 5 ans à présent, Félix? Et qu'il faut espérer une bonne chose, Merlin, vous vous mettez oui, à oui, tu espérer une bonne chose telle que le voyage, le fête, la veste à Sika. Ou le président a deuxième mandat. Le premier mandat, c'est le voyage. Le deuxième mandat, c'est le 8 mois. Quand tu changes un mandat, premier mandat, le président voyageait tout le temps dans les avions. Tout le temps changer le système, second mandat. Comme le lit, moi. Donc, le président lit, moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Si je vais le faire, je vais le faire. Pour que tu aies première pierre. Ça va être une innovation pour l'autre, le deuxième mandat. Mais si on s'en ici, ma première pierre, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que trois chambres et salons. Merlin. Denda ou chambre salon. Mais Liban, nous avons comment fêter l'anniversaire dans Maloukou. Côté de la centrale photovoltaïque. Quatrième anniversaire dans le mois d'avril, le mois de mai. Merlin, il y a un anniversaire. Qu'est-ce que vous avez joué l'anniversaire? Dans l'oubli, il y a eu l'idée que le président de Liban a mon Maloukou. Et comment on fête l'anniversaire? Je vous rappelle l'anniversaire. Je prends un peu de mais enlève-vous. Là, si le président tout va à fond, il aussi sans salle. Et comment terrasse? Oh, et comment terrasse? Tant que nous avons les sujets, vous avez 17 ans, mais il peut donner ma boucle. Parce que le président a un officier de permanence. Il a un président dans le sac. Le président n'a pas tant de temps pour amoureux à la moutou. Il faut que l'on Fongola aussi zanzala le bunga ekwa ki ne balé na mutuka ekwa ila ki wapi na ba veste ça veut dire ici nous sommes en face d'un monsieur qui ne sait pas lui-même pourquoi il est là mais qui peut savoir aussi Merlin mais les gens qui travaillent avec lui bazo idée était pour matérialiser sa vision Merlin on doit pas quand même tout refuser. Attends, qui choisit ses collaborateurs bon Merlin ga soki na ponyo na koyeba ke no mela ba balukila nga lobi koyeba ke na ba balukila ti. Pour les gens qui il y a des critères qu'il faut mettre en place. Pourquoi appeler ça mon poste et que je vais faire poste, c'est qu'il y a 3, 4, 5 noms. Pour étudier les 5 personnes profondément et choisir le meilleur, le moindre mal. Ce qui arrive au Congo, Tshisekedi représente un danger. Pourquoi? Il a rendu les institutions de la République. Elle a le pouvoir au Congo et est devenu coutumier. Au monde, il faut avoir un poste, il faut qu'il n'y ait pas un chef qui est limité. Il faut qu'il n'ait pas vice-président, premier vice-président de la République au Bissé Kabouya. Teyaza, secrétaire général et IDFS. Oh. On appelle honorable député national. Kabouya. Autant d'appel informateur. Non, Kabouya, c'est un danger pour le pays. Faut pas. Surtout pas m'embasser, il faut t'arrêter dans mon masse. Parce que tu as vice-président, vice-premier président qui prenait le vice-président. Donc en fait, ici, il y a un sérieux problème. Premier problème de la gouvernance politique, c'est la vision. Quand vous avez une vision, vous allez avoir un très bon programme de gouvernance. Félix Tshisekedi n'a pas une vision. Je vois que l'Union Sacrée, il y a un peu de temps. Si quelle est la vision de l'Union Sacrée? D'abord, l'Union Sacrée. Je vais vous dire que l'Union Sacrée, il y a un peu de temps. 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 C'est ça l'Union Sacrée. Mutoyer bien hôtel les attends pour vous mettre ça moi attends de carte bien ayez bien sa carte indi mais document ça mais quand l'état est par amour tout soyez pas naïf là bas document l'union sacrée ça un agrément d'abord l'union sacrée ça le roi et le roi va faire ça donc la fille de la rue siège comme vous allez merci beaucoup Merlin vous donc yamou oui ça veut dire ici nous sommes dirigés par des accidentés politiques. Des gens qui n'ont jamais compris la notion de l'État, qui n'ont jamais appris comment gérer
la Respublica, voir quand Moutalamou il attend, il vous prend 80 millions. Même le peuple, regarde, le peuple est devenu observateur devant ses propres biens. Ok. Il y a des contrats. Ça, il y a des le points. Peuple est devenu observateur devant ses propres biens. Donc, a commis, peuple a commis victime, au yaz à la maître, il y a chose. Au monde, il y a un contrat léonais, ma surfacturation, ma contrat de gré à gré, en violation de toutes les procédures légales, et bah tout là, vendi. Le peuple s'est fait mouton, au monde, il y a un mouton, 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 président. Soit le président, il y a un mouton, toi, tu es président parce qu'il sait. Au moment où on a un mot, on a dit à Nicolas Gazadi. Nicolas Gazadi, quand il a fait ça, après, à l'objet d'un briefing, il a dit à Nicolas, il a dit identité, il a dit à Sengati. Toi, tu es dans ton banque, tu peux faire ça à la carte. Comment son identité n'a pas dit? Mais comment un ministre des Finances, après si Moutouana, 27 millions, a dit à l'identité n'a pas dit? Après, il y a 80 millions de dollars, il y a une identité nette. Après, il y a 13 millions, il y a une identité nette. Et c'est beau de trouver mon juge. C'est pourquoi moi, j'étais, mais je suis décidé, il y a ressaisi et la Banque mondiale, l'FMI, PNUD, et le partenaire Nyon, son BAD, le partenaire Nyon, son Congo, il faut pas stopper le financement sur le Congo. Bah stopper financement, mais pas financement. Bah financer mais sur le et ça va nous ok parce qu'au peuple en fait va nous au peuple la série l'a raté. Tu penses que ça rallie, ce sont des dettes. Tant que vous avez comme la dette, il y a plus de 13 milliards. Bambo va au banque mondiale à 500 millions. Il y a moins donc ma dette, ça va on est bisso si ma tour au foot est un mot. Mon amour à niba kababo rambo me belle bambo à la misère au salade. Banque mondiale est l'association de bailleurs de fonds, de milliards, de multimilliardaires. Bah ça va commerçant, mais bah dev ça reçoit à long terme. C'est le monde au foot en dame dame. Au foot en dame dame pendant 25 ans, pendant 30 ans. Tu as besoin de foot avant mon oeil, ton salaire est en place. C'est pourquoi, étant que peuple, je vais saisir ces instances-là, ces organisations, pour que ma kata. Pour l'objet de l'Orient, quand tu as confiné par votre chambre, tu n'as pas de foutre à monter. Merci, Merlin, vous. Parce que c'est impossible, pour que vous ayez une union, on a défendu, on a commandé Ezekiel, mais on a l'air de mourir. Soit Zaki Nainayo, on a le bagage escroqué. Mais comme ça, par moi, on a le bagage escroqué. C'est du pur escroquerie au sommet de l'État. Très bien, Merlin, allez. Comme je vous avais annoncé, nous avons la deuxième partie de cette émission. La première partie c'était avec Merlin Vouvou et nous arrivons à la fin avec Merlin, mais la continuité ça ira. Il y a d'ailleurs dernière question de la Ngana Tounoutou Chité Wananayo, donc avec Merlin on va finir là-bas. Merlin Vouvou, la dernière question bien qu'au précédent déjà, candidat gouverneur idéal où Merlin Vouvou analysé pour la Kinshasa aujourd'hui. Kinshasa est commis au Kenya ou Liboulou. Oye Kabine d'Aliboulou. Donc, Kinshasa, c'est-à-dire à perdre le même sens, il y a Ndenga Zalaki. Qui est le candidat idéal pour Merlin Vouvou? Oye, on peut ça, Kino, ou Kino, Bazozela. Merlin. Il y a Liboso, le député Nyonso, Balanda Kabouya. Kabouya, c'est un inachevé intellectuel. Il ne faut pas le suivre. Quand il dit, Oye, on vote Tike Bumba, il y a l'été, on retire mandat. Et c'est Kabouya directement. Il dit être secrétaire général d'un grand parti. Et puis parti il dit, au pouvoir. Je vais influencer la justice. Au moment où il m'a dit, je suis désobéi. Au moment où il m'a dit, je suis désobéi. Je vais influencer la justice pour que bah, invalide Bino, bah, Cyprien ne va pas. Si la justice invalide les sièges de Bozangiamo, ni Cyprien au siège, Kabouya, il faut bah, ça la loi, bah, petit salon, bah, ah, bah, ça est la Kabouya, loi. Car il est pour la spéciale. Ah. Mais sur Azoloba, alors ça la va dire. Sur Azoloba, bah étudiant, bah zali, bah nous les gars, les gens nous suivent. Tous les gars, bah on a mal été, comme peut partir, peut pas jouer un bilan, peut tout le monde peut passer les leçons. Quand tu dis que la justice retire un mandat, retire le mandat, c'est fini, même les cyprien ne siègent pas. Ceux qui concernaient l'invalidé, les cyprien n'ont siégé. Automatiquement, mais, non. Mais quand vous avez dit, je vais influencer la justice à retirer de ma mandat pour que cyprien ne va pas.
Regarde, un secrétaire général. Au moment où il y a un candidat, premier vice-président de l'Assemblée avec raison. Non, mais Aza déjà gouvernant député national, ça lui suffit. Il y a qui est informateur, formateur, et puis ça lui suffit. Si vous êtes politicien, tu ne veux pas exercer ce que vous êtes politique. Mais il est déjà député. C'est Kabou, il y a émis pour vendre les carburants en litre. Merci Merlin Boubou. Candidat donc, idéal, gouverneur de la province de Kinshasa. Déjà, nous avons pas un ticket Daniel Bumba et dit qu'il y a VIH dans le sommet à ville. Il y a SIDA, puis il y a besoin dans le sommet à ville. Donc, photosomba ba anti retroviral to pesa ba nda ku nyonjo bo virus ces jours ba anti retroviral o ba ta sida ba mela ka mais sida si ko pour na se préserver pe to ko pesa ba ngona ni ba se yo ba se préserver devant VIH so les yeux de OK te avant il y a OK préservation ça qui pas voter ba ngoti pas les comme ba député les comme ba député ni na zo lobela ba député wana. Bala na Peter Kaza na Chekoko, te Peter Kaza na Chekoko bazala ba député provinciaux, il dépend à bimisa ta sénateur et na Kinshasa. Aucun candidat sénateur il dépend à soit ta voix moro. Mais bazala quand même na ba député. Bazaki 12. Pona ba intérêt na bango, ba ngi ba nyoko la bana ya bato. Ba député na ba yeba que le mandat d'un député est non impératif au parti politique. Personne n'a le droit de vous retirer mandat. L'arrêt de la Cour constitutionnelle existe. Bon, voter en âme et conscience, donner aux Quinois, si réellement vous êtes le fruit de l'électorat quinoise, donner aux Quinois un ticket qui va aider la vie de Kinshasa. Qui est ce ticket, Merlin Boubou, selon toi? J'avance. Okay. Au lieu que déjà Daniel Bumba n'a dit, il va le dire, ceux qui ont commis, ma maman va te faire un nom, va nous faire ça par semaine, chaque samedi, $1. Zomou n'a dit à mafia. Pour dire que c'était mafia. Il s'est enrichi derrière la ville de Kinshasa. Vous voyez, Moussa l'a dit dans la ville de Kinshasa. Mais puis nous, je vais vous dire, c'est allez chez tous les députés. Il y a l'esclature à 2006, né à 2018. Et dit, il y a l'évangile. Ceux qui ont dit, je vais vous dire, trois fois ou deux fois. Et mon lima est à Moukeba. Il y a député. Dans le bureau d'échange, j'ai dit hier, il y a Forest Home. Je parle de mon lima d'un député. Si vous n'avez pas de nani, mais il y a un peu de temps à ça. Ce qui vit la vie, on appelle Avenue Kabinda. Vous comprenez? Ok. Tout ça, on Avenue Kabinda. Si vous avez 4 millions de dollars, par exemple. Vu les années, vous avez 4 millions de dollars dans la caisse. Vous avez 4 millions. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Il y a 4 millions, on a la ville, il a payé. Après 3 jours, Eddie Yel a eu créancier à la ville. Il a eu le rôle de déficit sur la ville. Mais en réalité, ça a eu la caisse à la ville. Parce que ça a des charges. Il a eu le taux à combien? Il y a 100%. Soit payé 4 millions, par exemple, c'est les 8 millions. Soit payé 8 millions en an. Vu la retirée 4 millions, la bibliothèque la caisse n'a pas. 4 millions de Tigali et dit qu'il y en a 30%, c'est plein de travail qui va carbone. Tout le député de Magloire Kabemba au dernier, de Moukebaï au dernier, il va te fournir les mêmes informations que nous. Et comme est-ce qu'il y a un niveau godé pour l'autre TLMC dans l'Assemblée, le financier de la ville? Merci Merlin. Ok, toi, je t'ai posé la deuxième. Pour moi, si ça dépendait de moi, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, j'allais voter pour. Pourquoi Déocassou? Parce que déjà voir l'idée de construire une nouvelle ville, c'est ça le réel problème en ville. Défi à ce parce que Kinshasa Totongi Bamaradam, l'urbanisation déjà foutue, parce que cette dimension de 16 ans 1962, projection et données démographiques, ça a largement dépassé. La ville est couffée, il faut construire une nouvelle ville à l'est de Kinshasa. Vous comprenez? Parce que vu la Guinée à 2000 km, tout ça est là à 20%. Tout ça est là à 20%. La ville habitée représente 20%, 80% de la ville. Très bien.
Donc, comme il y a un plan urbanistique, un plan d'urbanisation provinciale, un plan d'aménagement provincial, je crois que c'est un bon candidat, mais au final, ça ne dépend pas de moi. Très bien. C'est pourquoi nous constatons le député, ce qui est réellement. Il y a le peuple, il y a la partie politique, il y a la moutoua, il y a la moutoua, il y a la électeur, il y a la vivre dans l'état nini. Et comment, à qui confier la ville pour que l'électeur soit fier? Très bien, Merlin, vous voyez. Avec Merlin, nous prenons au pause pour aujourd'hui ici. Pour très prochainement, peut-être qu'on pourrait inviter, même après les élections à ma gouverneur, si ce qu'il a dit a été entendu, ça serait mieux par les députés provinciaux et à Kinshasa. Ce qui peut quitter, pour bien à Merlin, toi analyser autour, il y a Makambouana. Nous allons passer à notre deuxième thématique du jour avec le deuxième intervenant. Merci beaucoup, Merlin. Naye Tokolobela, Mingi Likambouetali. Avec le deuxième intervenant, vous allez m'excuser. Nous avons, on me signale là-bas, deuxième intervenant déjà au quota. Avec lui, Tokolobela Pel Lissousou, Likambouetali, Mamra et Union Sakango. Avec Merlin, on a parlé, mais heureusement, lui, il est de l'Union Sacrée. Il soutient à 100% celui qui a été le ticket comme président de l'Assemblée nationale de l'Union Sacrée, Vital Kamerhe. Alors lui, on l'appelle Bienvenu Mbala. C'est avec Bienvenu Mbala Ndé Tokoloba. Est-ce que, en fait, bonne ou mauvaise chose que l'Union Sacrée, et c'est le que l'Union Sacrée, et Pony Kamerhe, le candidat président de l'Assemblée nationale. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Kamerhe a commis président de l'Assemblée nationale. Non, a commis le président de l'Assemblée nationale. Kamerhe est le ticket. Il y a Union Sacrée. Ouais, vous avez parmi les candidats présents à l'Assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo. Donc, dans l'Union Sacrée, le candidat Moussa Soa Kozalaté et Kozalaka Vital Kamerhe. Voilà, celui qui sera le ticket, soit le candidat. Alors, vite fait, le temps que mon invité fasse son entrée, donc vite fait, on me signale qu'à toujours à quoi? Appelle ça quoi? À Nitouri, les lots, dans le secteur, bon, en fait, tout ça, c'est d'un côté, mais de l'économie, c'est l'Endou, tout ça, dans Saliboko, dans Masumbuko, donc, Kuna, dans l'économie, il y a Kodeko, ils sont en train, il y a Kosangana, Kosangana, Lissousou, na Mungwalu, c'est-à-dire, na Mungwalu, na Sayo, raison, on va voir Sangani, les Kéza, ils ont les Barreté, Sangani, Koba Salami, point d'interrogation. Basangani, pour Baloukani, point d'interrogation. Nous avons aussi la ministre de la Défense. Ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous posez à Kuna. Mais peut-être que vous avez à Kuna Tosongi. Ça là est fort. Et bande Kuna Bissot, il y a Ituri, Bazoua Kimia. Alors, pour de quoi vous avez à la ministre? Il y a un moment où tout est évité. Moi ici à Kinshasa, je dénonce, je parle. Ce sont des Congolais qui mettent en jour et nuit. S'il vous plaît, donnez à ces Congolais-là la paix au bah, mérité. S'il vous plaît, je vous avais dit ici que l'état des sièges a lamentablement échoué. Parce que Batouba bah, continue beaucoup de fois. Il y a eu mort d'homme hier. Il y a eu mort d'homme à Tché. Les personnes tuées. Il y a eu pillage, il y a eu destruction méchante. S'il vous plaît, ce coin du pays a besoin de vous. Voilà. Nous avons avec nous, lui on l'appelle Petit Kamerhe. C'est ça son nom, Petit Kamerhe, mais son vrai nom c'est Bienvenu Mbala. Avec lui, nous allons parler. Est-ce que bonne ou mauvaise chose que l'Union Sacrée choisit Kamerhe comme son candidat président de l'Assemblée nationale? Est-ce que Zakelo Komalamu, son nom, deuxième thématique, bonne ou mauvaise chose que l'Union Sacrée de la Nation choisit Kamerhe comme son candidat président de l'Assemblée nationale. Bienvenue, Mala. Bonjour. Bonjour, Ezekiel. Bonjour. Non, Mala. Ah oui, tout à l'heure, santé. Naste, vous avez dit ça. Ah oui. Bon, en fait, Naza Petit Kamerhe. Comme moi, la zone, moi, c'est pas pour rien. Depuis l'étude, il y a eu. Bah, il y a eu un peu de la télévision. Bah, il y a eu tout le temps à l'université. On m'appelait Petit Kamerhe. On m'appelait Kamerhe, quoi.
Caméré, pourquoi? Vous avez en fait, charisme à Caméré ou on va aller voir presque, Caméré. Non, non. Presque, nous, sur la bande de salle, banane à Zotanga et bande correspond vraiment au comportement à Caméré. À l'époque, Caméré a été parmi de grandes personnes et à Mboka Oyo. Les comportement c'est pourquoi j'avais dit que nous avons décidé qu'on vend la colanda caméra et la simana et un jour on a pu métier dans les bons dans les mal il y aura la caméra. Non, en fait les gens parlaient des caméras à l'époque babando le basibolam quoi parce que nous avons des coibélé basala qui n'a bah député, Caméra a été président de l'Assemblée à Bango, il nous parlait ce qui était Caméra, souvent. Ok. Alors, c'est pourquoi, dans le bac, il faut soutenir Moutiabou. Soutenir il faut soutenir Caméra. Oui. Du bien à Caméra à l'époque. À l'époque, pas à l'époque seulement. Pas à l'époque. Avant que moi, je puisse connaître Caméra. Bah, il y a Caméra, na Boula Mobile, Wastali par exemple. Est-ce que c'est bon, voilà le bien pour passer tout comme ça. Est-ce que Caméré d'hier, de 2006, et les Caméré d'aujourd'hui, Azara, même personne, même profil? Même personne, mon frère. Je te dirais, je connais les messieurs. C'est pas que net si par exemple, Nanzela, mais je connais Caméré en personne. Je sais qui est Caméré. C'est pourquoi, premièrement, nous devons d'abord remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui est le haut cadre. Ok, il y a Union Sacrée, apprécié, merci parce, pour les choix portés dans Vital Caméré. Ok. Naïe Kopé Salissou sous remerciement à Nainaba Honorable Eli Nationaux. Naïe Kopé Salissou, merci parce que Sali choix, salut et Seigneur Koussal. Naïe Kopé Salissou sous merci à Baéli Nadiso et à Grand Bamboundou parce que porté. Soutien à Bangon, élection Izalaki. Ce pas Baéli Nyon sur la Grabandou, je dis les élites de Grabandoundou, Bao Baza, famille politique, n'a pas na Union Sacrée. N'a pas si Bangon merci, parce que Bangon va porter, va soutenir le soutien à Bangon Izalaki plus na Vital Caméré. Yangon n'a pas si Bangon merci. Naïe Kopé, ça n'a pas profité, on a excusez-moi les termes, je profite l'occasion de dire. À nos élus provinciaux okay. Qui fassent ce que le député national a fait pour le choix du gouverneur. Pour féliciter Bango, pour féliciter le député national, il y a Union Sacrée. N'est-ce pas si Caméré chance dans la candidat unique, ouais. La présidente, il y a l'Assemblée nationale, il y a Union Sacrée. Mais, Azara nous présente l'Assemblée nationale. Il est serré, mon frère. Ça, je te le parle. Non, non. Parce que, non. Je ne refuse pas qu'il le sera ou il ne le sera pas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est pas décommis. Quand il dit que Vital Caméré a commis déjà président de l'Assemblée. Mais c'est ça, je suis accepté parce que nous sommes commis à l'Assemblée nationale, mon frère. L'Union Sacrée. Nous sommes combien? Et Caméré est le candidat unique. Vous allez voir, vous avez votre statistique là. L'opposition a combien de députés? Non, on va pas. Qui va venir de l'opposition? Qui va venir de l'opposition au par exemple qui? Parle mon Dieu. Bon, bah, moi, et puis, mieux le bonjour, parce que par réalité, ça va eu un mandat pour voter Caméra aux Anacas. Non, Nani, Caméra a choisi chef de l'État. Ça, je pèse mon nom. Choix le chef de l'État. Le chef de l'État et les députés nationaux. Parce que ce que le député doit savoir, c'est quoi? Bisso population, topé si bango. Qui représente Bissou. Ok. Balanda ben injonction, il y a ba autorité morale à ba parti quel que soit. Ok. Parce que Bissou, pour te voter, ba mot, to zoa qui ba injonction n'importe. Il y a ba parrain politique. Nous on a donné confiance parce qu'on savait bien que mon tutelle, Aza bien, il peut nous défendre, tout ça. Et surtout, nous, dans les grands bandes de Doudou, nous avons soutenu les députés qui sont élus, ce sont les députés qui. Parce que c'est vraiment là, mon quoi. Ça, je vais peut-être grand-mère numéro 1 quelque chose. Tu sais que vous savez, vous les garçons, la grand-mère, la capacité, mais on peut savoir la grand-mère numéro 1, c'est la matière. Non, mais c'est vrai. Mais elle a silencié dans l'Assemblée nationale, surtout si la grand-mère numéro 1. Je peux vous donner des exemples actuellement. Vous aviez fait le choix, par exemple, nous, dans la ville de Bandoulou. Donc, ça là qui va choisir des députés Tokcha qui, dernièrement, on a des législatives au-dessus de cas. Mais ça là qui, pour la vie, sauter. Donc, ça là qui choisit dans.
prestige, quoi. Mais le nôtre, ça passe simple, non, honorable Eric. Eric Inzam. Oui. Ah, honorable Eric Inzam, élu de la ville de Bandundu, de Bamboussali. J'ai eu, bon, une fois, la coutelle en a été, mais la seule année, une fois, il y a des gens qui m'ont parlé de lui. On espère qu'avec l'honorable Eric Inzam, on peut avoir ce qu'est nous à Bandunduville. C'est ça, moi. On espère au moins. Oui, oui. Okay. Nous avons par exemple l'honorable Eric Inzam. Nous avons l'honorable Bitine dans les Boulounou, chez moi. Ok. Vous savez qu'il est arrivé, ils étaient juste dans le bureau provisoire. Mais Lévi a parlé sur la situation de Boulungu. Boulungu est enclavé, il n'y a pas de route. Mais un mandat toujours mais, président de la République, Kamer aussi a travaillé avec lui. Vous, pas. Non, à l'époque, quand Kamer était président de l'Assemblée, je te parlais, j'ai demandé l'état de nos routes, c'était comment. Ça, je te le parle. Bon, les bébés gâtés ont Kamer à Douma, président. Oui, oui. Ça, je te le parle. Vous savez qu'il y a des élus au Bazala qui sont ensemblés, Bazala qui pour avoir intérêt dans la main. Mais, nous avons fait ça. Merci mingi la population à Bissou, surtout à Bissou à Boulou, Kul en particulier, va comprendre au Bazo Benga Mapona. Parce que Bissou Touroyo, va tindel Bissou Bato l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, Bato, la population vote de Bato pour retirer. Oui, oui, Bato, Bazo, on va remarquer Touroyo, Bissou na Kul. On va remarquer Touroyo na Kul, na Grand Bandundu, on commence à te développer mes côtes à ma casse. Parce que les députés qui sont au Tini, les députés déjà ont une volonté à consommer. Bas à la députée, bas à la députée, tu as un symbole déjà, bas à la. Bas à la pour la colombe, la bichon. Les gens qui ont dit ça, par exemple, l'honorable de Tini, à où tu as eu la macambouya, on a tra. Faut pas que ça va être la bichon à maille. Nous, on a connu, bisous, tu as eu la calasse, la bichon, la mbongo, il y a la foufou. Foufou, on a la bande à consommer, on a peur. Nous en a peur, on a bisous. Les gens de Boulungu, au bas de la Nanga, à Zoyoka. Ma soeur, ma soeur, qui est en Boulungu, biso to sombi, biso ba fufu, to ou tana ma fufu na zamba, to ye nango, to teki na, to teki na batu. Si qui la soeur mbongo ezalaki, ba parent na biso bazo tangi sa biso ba kalasi. Mais aujourd'hui, nde konanga na koye bisa yo ke toza na banzela te na Boulungu. Toza na banzela te. Parce qu'on a zéla, on y est sur Koufa. Tu as un zéla, mon frère. Tu as un zéla, il y a Moutouka. Tu as un zéla, il y a Maïté. Tu as un zéla, il y a Likoloté. C'est-à-dire, il y a l'avion, il y a le bateau, il y a la Moutouka. Et non, exacté. Ça, je vous parle. C'est pourquoi Bissoba Oyo, en tant que petit caméra que je suis, n'a pas fait l'idéologie à caméra. Si vous avez suivi même l'intervention à l'époque, et ça, c'est ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Oui, mais maintenant, il faut que je me dise. Ok. Maintenant, vous pouvez aller. C'est pourquoi vous allez constater que même les députés ou les bazar n'est pas qu'à caméra, il y a une intervention. Il y a une intervention dans Bango, excusez-moi. Au consentement que, à l'époque de caméra, les députés n'ont pas congé parlementaire dans Bango, ils ont sur le terrain. Vous avez les images, je peux vous les montrer. Parano qui t'a sur le terrain, bazo ça la activité là. Bazana o bazo ben la liberté d'expression. Mais le lobe a débuté par la liberté d'expression. Non, il y en a pas. Suivez l'image de l'autre là, Denis Sessan qui est l'opposant. Dernièrement, l'Assemblée à la législative au Tchouk. Un honorable député. On les appelle honorables, c'est pas pour rien. Mais à l'époque de Vital Kamer et le pacificateur, ils ont qui bon du coup. Je vous donnerai même les exemples. Il y a quelqu'un même qu'on a arrêté. Il y a les députés qu'on les a arrêtés, mais suite à Vital Kamer, qu'on les a libérés. Kamer a dû, pas seulement le choix, pas seulement. Ouais. Je ne suis pas là seulement pour le député, et je suis là aussi pour la population. Est-ce que le Kamer de l'époque, aujourd'hui, oui, on a quand même eu ces bons témoignages. Il y a Batou Koloba que non, Kamere, jusque là, Aza, au président de l'Assemblée nationale, il y a battu record parmi ma présence assemblée autrefois. Oui, oui, oui. Mais est-ce que Kobang est Zabou? Tellement que Batou Babandi Koyembe, la Kamere, déjà avant Azonga, à comme président. Ce qui est celle que Kamere a commis l'issue sous présent l'Assemblée nationale. Est-ce que Akom CPA, la Sina Salana, la Xeba, on a ça, sur le retour, tout on a profité. Et quoi affaiblir Kamere était en l'Assemblée nationale s'il l'était, soit ce qui a commis lui dans. Dans un mandat où l'élection calataire en Assemblée nationale, s'il devenait président en Assemblée. Non, mon frère, je vous parlerai que Kamere, je crois que Bato Balandaï, Alouba Kazana na foi et Moko,
ça je vous parle. Kamere alingaka population te a souffrir. Kamere alingaka te alingaka zo échec te. Partout où Kamere a passé. Et ça n'a place été ko au moins au ko contredire ngane loko moko. Partout où Kamere a passé, vous avez senti quand même que soit Kamere ezala ki remarque quand baponika ka Kamere na na baponika ka Kamere na comment on appelle na na union sacrée. Seulement union sacrée obiso to go benga maponami primaire. Mais ville qui ça mobimba na intérieur chez moi c'est toi Bulungu ezala ki fête. Pourquoi mutango azamade. Mais pour l'année batu ba ko sala fête. Biso ba misus toza ba gens l'état ba place toza la ki on n'a pas travaillé. Et ça là qui a comme solo ya Vital Kamere. C'est là comme solo Vital Kamere. Donc par là je voulais te dire que mon frère Kamere reste oyoye ba ki lobby non ko ye ba lelo non ko ye ba lobby lobby. Donc Kamere reste le même mon frère. Kamere ne doit-il pas trahir les Congolais? Non, si une fois élu à la tête de l'Assemblée nationale. Non mon frère. Mais comment ça n'était Kamere l'histoire des détournement où les Kakiwana Kamere na mine parce qu'on doit les dire, on doit pas se voiler le face pour petit Kamere. On a parlé des détournements. Les gens gardent encore l'image des détournements. Oh non, Vital Kamere, il est devenu ministre de l'économie. Mm. Bon, Kamere ministre de l'économie, c'est pas là qu'il est bon, non. Mm. C'est un expert à la matière. Ça l'effort pour que l'économie en boucle à la biseau et qu'on m'a boosté, qu'on m'a changé tout consort. Mais à ce point-là aussi, les gens ont pleuré. Aujourd'hui, ce qui est Kamere, il y a des vous ne craignez pas que Kamere a décevoir les Congolais. On a parlé à changement de classe politique, mais Kamere a travaillé depuis. On n'y a pas de na kolobano boe olanda ki procès wana du début à la fin ou ebi résultat ça tokoko tanango na mozindote. Moi je suis un économiste de formation, je vous dirai problème économie en moka même il tourne aujourd'hui même Jésus akiti sikoyo même Yesu akiti abati ministre économie oyobino bozo zela et lingo sala pati sikoyo elinga sa maté ponani baza ba incapable ya kopesa biso yango. Économie en boka ezwaka stabilité quand biso nanu biso moko bana Congo tolingi mingi ba bureau tolingi ba bureau mingi biso ba bana ya mboka Congo tolingi ba bureau mingi tolingi misala maboko te yo batindio zonga na kwili tozana bektara bazamba kende salaba salaba zamba lona masangu lona mamanyoko tout ça toté rolingate ko lingo vanda wana bon neti musa na ame tuse mikolo yango mais souba pesinga kuna na okende po bilanga na bio futa bien c'est ça kobanga ezaka ande ba vieux moi je te connais mon frère aux jeunes moko alita coming surtout pour na développement kwili ça je vous félicite ça je connais olingaka vraiment province a kwili etikala o ezalite wana na tala kayo na landarona be mission na yo mingi. Merci beaucoup. Yango wana nazo profiter kaka na musala na wana continuer na musala na yo wana. Nous devons faire un coup meilleur. Très bien, ça c'est le défi, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que la République démocratique du Congo na ba coin zéro coin, que les gens sentent qu'il y a un développement. Pour le développement soyez gars na Kinshasa. Ba tunyo ba olinga wana na Kinshasa. Parce que tant ba oyawa, yo mon ba embouteillage, yo moni ba kuluna bazo comme belé, yo moni mais ceux qui na ba province na biso pe. Donc, nous avons un appétit à nous n'a qui n'a pas dans la province. Pas dire que province c'est mieux. C'est pourquoi je profite l'occasion de parler à nos élus. Il y a Bandundu, il y a Kouil quoi. Baeba soit gouverneur Bado Salamane. Baeba soit candidat sénateur. Hop, vous êtes avec nous, je ne sais pas. Est-ce que mon a déjà candidat sénateur Moko? Il y a Kouil. A beta motion moko pour intérêt puis na yokata kombonde te o yokata kombonde je profite du à nos élus des bandes du Queen baye ba choix bazo sala pona ba sénateur baye ba choix bazo sala pona gouverneur ba voter gouverneur te parce que bazo pesa bango le miette. Moi j'ai vu le député provincial ya Kwilu bazo ke def amon na bang la mer ba député le député honorable. Oui. Bagade famo na banque Lambert. Bazo ke def famo. Le député ça je parle, les députés du Kwilu aujourd'hui. Ba oya lelo. Ba député bazo ba vivant na banque Lambert. Ba beta ba 12 mois un paiement. Un honorable député li. Ou azana compte à rendre na base nay. Pourquoi?
gouverneur auto tchaki na ba législatif passé ba joie qui injonction il y a regroupement politique quelconque. Moi je ne cite pas les noms mon frère. Moi je parle. Parce que je sais que le gouverneur, la législature, non mon cher. Willy Itundala. Je l'ai toujours dit ici que s'il y a un mauvais gouverneur qui le Kwilu a réussi à la tête, c'est Itundala. Parce que Itundala n'a pas permis à la province du Kwilu d'avoir ne serait-ce que banque centrale à Congo dans la banque. Et puis banque on a sorti en 1990. Ozongi le rolé là. Rien. C'est pourquoi. Tozana ba candidat na Bissau. Oyo Bissau tozo Bissau INC tozo soutenir. Oyo ko sala meilleur ndenge azola na idéologie ya pacificateur à cause la candidat gouverneur. N'a pas prononcé Nicolas Akoya. Très bien, mais élection. N'a pas tout ça. Mais n'a pas hein? Élection va gouverner les années 2029. Yabisson a pris le nom. Yabisson a pris le nom. Très bien, allez. Mais je vous dirai ceci. Nous avons notre candidat sénateur, il y a INC et allié. Oui. Obisso Photopé Samaboko, c'est un jeune. C'est un jeune comme moi. Ok. Tout de suite, on a pris un nom qui n'a pas mis au nom à l'aise. Très bien, allez. Aza ni candidat numéro 3. Bino ba député la biso. Topé si bino confiance. Candidat numéro 3. Biso topé si bino. Candidat sénateur. Biso topé si bino confiance. Bokende bok représenter biso. Bo voter candidat itu. Pour lobby à défendre intérêt na biso nyonso. C'est que je dois. Excusez ngai. Allez-y. Nazo pesaye ba respect belé. C'est le trésor Mangwanda. Ok. Trésor Mangwana, papa naï, soko koma boulungu, Moutassala, aéroport, aérodrome, où ils en ont achevé aujourd'hui, c'est son papa, il fut ministre de l'Environnement à l'époque de Mobutu. Son papa. Dima Kila, ko ça les amis. Le papa là, Moutalita contre Ebola. Ebola. Naba, na boulungu, c'est son papa. Bissoba na miketo mon avion à Liboso Ezokoya, c'est son papa, son âme repose en paix. Aujourd'hui, l'enfant dit, je récupère le bien de mon papa. Très bien. Il est candidat sénateur. Merci beaucoup. J'insiste à nos élus de soutenir qui Trésor Mangwanda, parce qu'il est là. Merci beaucoup. Allez, c'est par ici que nous bouclons avec la deuxième partie de cette émission. À Beni Sono, merci à Steven, merci à mon ami Chris Kuba. Mais restez connectés, nous allons vous revenir à tout de suite. Na Congo to telema to lobela mboka ye. Wole to zuwa kabimisa na poasa. Ba depite to votaki, bazo salarien. To kende na funa, bazo salarien. Congo to leka na mwamba, bazo salarien. To kende lukunga, bazo salarien. Bazo salarien. Na mboko pila di bembe.